ce soir. Le commencement de tout. Et la fin de tout. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et aussi il y a bio na sans na biso ya renouvellement spirituel. Maintenant renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel est très important. Est ça mon puyami. Quand tu zolo ba na oyo etali renouvellement. Quand tu zolo ba na oyo etali ko zongi sa sika. C'est-à-dire ko changer état ya eloko et comme nouveau. Et cela veut dire changer l'état de quelque chose qui commençait déjà à expirer, que cela redevienne nouveau. Changement qui crée un état nouveau. Et ça, bon, voilà où ils ont mes malolémi à Makamboyasika. Renouveau. Koyana Makamboyasika. Alléluia. Amen. Et loco, peut-être, est aussi là. Une chose peut-être qui commençait déjà à s'arrêter. Est aussi là. La France qui est expirée. Mais nous aussi. Renouvellement. Yo osongi si susu makasi ya sika. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu a dit, alobi l'amour de plusieurs est kozala. So on a besoin renouvellement total dans tout aspect, même dans notre foi, même dans notre amour pour Dieu. Renouvellement total. To songeli texte na biso principal na sansa oyo. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, version Darby. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Makaboyon sezo salimalelo na corps de Christ. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans le corps de Christ. Ezo lemisa. Or, tout cela sont des stratégies diaboliques. De la fin du temps. Voilà pourquoi on a besoin de renouvellement. J'aime cette phrase à l'obéi, mais ceux qui s'attendaient à l'Éternel renouvelleront l'air. Force, énergie spirituelle. Un sorte oye. Ce corps. Ce qui est bandit qu'on l'aime. S'il commence à s'affaiblir. Au lieu de premier jour, deux jours, trois jours, sept jours, dixième. Au monde, après quelques temps, nous autres, et sommes à la nini. Et sommes à la nini. Et nous connaissons nos amis, nous sommes à la tamouana. Dès que vous ici, vous renouvelez force wana. De même spirituellement, on a besoin de renouvellement. Amen. Et puis l'ai na biso ya molimo. En tant qu'homme spirituel, c'est la parole de Dieu. Et si tu fais plusieurs jours sans nourrir ton corps, tu verras que ce corps commencera à s'affaiblir de plus en plus. Pour répondre de force ouverte, il faudra nourrir ce corps. Et nous, étant hommes et femmes spirituels, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lingala yalelo. Kasiba oyo batia kamote manayawe, bazwa kamakasi yasika. Bazwa nini? Makasi yasika. C'est-à-dire. Basalaki kolemba. Il commençait déjà à s'affaiblir. Renouvellement, les amis. C'est quoi le renouvellement? Kozwa makasi ya sika. C'est répondre des forces nouvelles. Amen. Amen. Kasi ba oyo batia kamite manayawe, bazwa kamakasi ya sika. Ndenge kombe kombe elembakate na kopumbwa. Bango pe baki makambangu pe balembakate. C'est à dire nangonga to komi ata nyoso ye. Mi osana makasi yako. Yako longa eloko yako. Alléluia. Amen. Amen. Yango nangonga to komi on a besoin de renouvellement. Yango na sambeli na albi nangonga to komi. J'ai bien dit. Eloko nlebisi kwa sen na yo iko lebisa yote.
Ce qui affermit ton voisin ne va pas t'affermir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Ce qui s'attendait, ça c'est la première chose toko kiko le kisangote. Mais ce qui s'attendait, c'est-à-dire pour le renouvellement, il faut créer temps. Alléluia. Amen. Bah oyo, bah s'attendait à l'éternel. C'est-à-dire, bah vandi. Alléluia. Amen. Bah concentré. Amen. Bah continue à communion. Pour bah zoani ni makas. Bah oh bah zo tane la Yahweh. Ozo mi pesa mobimba. Pour être ozo makas yasika. Mutu aliete azana nzala. Oye biki oko vanda. Bah pour être que non. Ezana na moto bah zo lamba. Mais ozo satan. Ozo sa anini. Ozo zela. Ozo zela. Comment tu vas compter sur le Seigneur? À travers des scènes, ses paroles, ses promesses. Il y a des choses où il y a des choses que Dieu dit dans sa parole. Dans sa parole. Donc tu navigues dans sa parole. Et que ça y est, cette parole va te donner des forces nouvelles. Oyozui na maloba na ye. Ce que tu dis dans sa Yabonde e kolendi sa yo. C'est ce qui va te fortifier. Pour olembate. Afin que tu ne puisses pas faiblir. Na kondima na yo. Dans ta voix. Na bolingo na yo. Dans ton amour. Na ngonga to komi. Durant le temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. So ngonga to komi. Ce que nous voulons vivre, renouvellement. Il y a beaucoup de choses. Mais première, il faut s'attendre, il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ce sont ces choses que nous allons développer en ce mois. Et je veux te dire aujourd'hui. Pour le renouvellement spirituel, il y a un facteur majeur. Tel que je viens de le dire, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Ilobayazamede, premier instrument majeur. C'est la parole de Dieu qui est le facteur principal. Il y a renouvellement. Du renouvellement. Même le Saint-Esprit a qu'on renouvelé par la parole de Dieu. Attends, que homme spirituel, tu as besoin, il y a Bilei Yamolimo qui est sa parole pour oser la renouveler. Tant que Oso si la makasi, normalement il faut ça la nini. Alléluia. Amen. Zambe a sepelakate na mutu oyo a zangi boye. Dieu ne se plaît pas d'une personne qui n'a pas de connaissance. Alors, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejecterai. C'est grave. Renouvellement sans cesse ne peut pas se faire en dehors de sa parole. Renouvellement sans cesse est lié à 100%. À ce que Dieu dit, ainsi dit l'Éternel. Romains chapitre 12. Nous allons lire Romains chapitre 12. À partir du premier verset. Romains 12, verset 1er, version d'Arbi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez. Soyez transformés par comment? Le renouvellement. Par comment? Par renouvellement. Continuez, maman. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Alléluia. Oyoki, Mobali, qui est Jésus, Aligaya Kobala,
épouse na église, mais azo ko kate parce que église ezana nou prête. Il faut tous à la conformer na image na ye pour clic. Yes. Et salem. Nous devons union et salem. Être conformé à son image afin qu'il y ait un appareillage, un couple. Mais à ce moment-là, que nous sommes dans un état de faiblesse. Il voit que nous sommes encore dans un état de faiblesse. Il y a un gros tozana moussala. Il y a une grande responsabilité. Rapidité. Il y a un gros tozana moussala. Pour l'église et cola. Afin que l'église. Tout le monde a un gros kanana. Mobali. Nabiso. Yesu Masia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 2, parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie au principe qui régit les siècles présents. Ne conformez pas votre vie au principe qui régit ces siècles présents. Ne copie pas. Ne copie pas. Yo wana ko copier moninga. C'est que présent. Pour na catch. Pour avoir une voiture. Bazo landa ba mibali yo pe o lobi o zamona yo pe zo landa pozo ba catch. Bongo so ke ko o ke ko so ba cercueil na yo. Alors si c'est ton cercueil que tu as acheté. Ne copier. Pozo na balanda kulute. C'est dire eloko ba tu abokil bazo sala na muke. Nata yo ko ki ko copier en yo o za different o zamona zambe. Tu es différent, tu ne peux pas copier ce que le monde fait. Alléluia. Amen. Ne copie pas le monde et les habitudes du jour. Oh. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Oh, mashallah. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Par le renouvellement. Oh, de yo, tombe de lié sur ma boue, ma casse. Par le renouvellement. Parle renouvellement. Omoni Nateya Kibiso Nabanzi Mateya Baon. Notre séminaire des hommes, des papas puissance d'homme. Amen. À propos ya comment les zéros sont tombés. Les envahants sont tombés. Bouya. Apaya adultère. Colère. Par exemple, Moïse. À cause de colère, simple colère là. Kakakanda. Moïse qui a payé un grand sacrifice de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais il n'a pas entré dans la terre promise. À cause de simplement colère. Regarde seulement au loin, mais tu n'entreras pas. Moïse a sali ka momonene gobi msaba na Israël na Egypte kasi likolo ya kanda za mbiye tala mabele ya mbo kasi yo kokota te. Alléluia. Amen. Et loko muke et puis meli mutu. Une moindre chose lui a privé des grandes choses. Alléluia. Amen. Soki o yebi ba connaissance ya boye. Si tu as pas reconnaissance. Osa mutu ya colère par exemple. Tu es colérique par exemple. Et qu'on quitte sa colère. C'est là-bas atténuer ta colère. Pour ce monde, danger la colère. Parce que tu vois le danger de la colère. Que copie là certaines bénédictions. Et cela peut te priver de certaines bénédictions. Voilà pourquoi tant que vous comptez dans la carte à ma commune. Quand tu entres dans les écritures. Ils sont renouvelés au jour et jour. Cela te renouvelle de jour. Ils sont transformés au jour et jour. Ça te transforme au quotidien. Ça, c'est un sacrifice. What is a sacrifice? Mais ton limite. Mais nous n'aimons pas cela. Prophète, prophétisez tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes doux. Et je te vois. D'ici un mois. Je te vois au sommet. Un mois et yé, sommet mon côté. Après un mois, tu es toujours au bas niveau. Mais biso mon côté, ton lingi. C'est nous-mêmes qui voulons ces choses. Il peut voir, oui. Après, on a solo, mais bongo soki ozana etama la mouté.
Alors si tu n'es pas un état correct, ça ne s'accomplira pas. Souka. En fin de compte, on a besoin de connaissances. Pour homme intérieur, ils allaient renouveler après l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude inférieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. À vos pensées une nouvelle orientation. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Enfin, de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, dengue tozo kende na sengi presence na yo kende le porabiso. Kende zonga na témoignage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu Masia. Tosambeli. Amen.